Comment tu fais pour tuer? Elle a eu la soeur aussi. C'est ça, il m'a dit d'argent. Je lui ai donné ici, il a demandé sa tête. Tu peux pas, toi, tu peux pas son arachide. Monsieur, tu sais préparer. Hein? Où est le gars qui est vilain, André Sossil? Lui-même, quand tu regardes, tu sais qu'il est diable. Il n'est pas vilain. On a vu les sorciers. Tu dis rien? Tu es en train de dire là, moi ça me ça fait rien. Elle t'a donné viande, tu as mangé. Mmh. Et tout contre. Boisson. Boisson. Elle m'a donné boisson. C'est quoi ça? Bien. C'est bien. Du vin. Du vin. Du vin comment? Du vin là c'est quoi? Elle m'a donné ça de vin. Ah, tu dis ça? Tu dis du vin. Oui, t'es donné sorcier. Mmh. Hein? Elle a tué ton ami. Mmh? Elle a tué. Mmh. Elle a tué plein de manger. Et puis elle a pris tout mon intelligent qui a dit de tuer, de gâter ma famille. Et puis aussi de gâter ma famille. Tu as tué quoi? De tuer femme de mon oncle et ma petite soeur. Comment t'as tué femme de ton oncle? Je suis rentrée dans ma chambre. Et puis j'ai crié son nom trois fois. T'avais quoi? J'ai crié son nom trois fois. Mm-hmm. Maintenant, elle a répondu. Et puis il me dit qu'en ce moment dans le feu. Il dit. Mm-hmm. Puis il a répondu. Mm-hmm. Il a égorgé. Mm-hmm. Tu l'as mangé. Mm-hmm. Tu as tué lui encore. Elle m'a petite soeur. Mm-hmm. Comment tu as fait pour tuer ta petite soeur? C'est même chose que fait à ma femme là. Donc explique. Pour ma petite soeur, elle a fait le mariage. Elle est parlé fière. Elle a créé son nom trois fois. Même jour-là, elle fait le premier mariage. Elle est dans la maladie jusqu'à. Même jour-là, elle a gorgé la tête. Tu as gâté qui? J'ai gâté mon petit frère. Et mon petit frère et ma petite soeur. Ça fait quoi? Il est de donner ce chemin aussi. Ah, d'accord. Toi, tu distribues aux gens. Il est où? On peut dire. Ils sont au village. À Zareko. Non, à Kadia. Mmh. Ah ben là, on dit, ils ont fini ça aussi, hein? Il y a 13 écoués, tout ça. Pourquoi les cadres ont peur de m'inviter là? Oui, mais vos cadres vous regardent. Ils sont dedans, c'est ça. Parce qu'on a réglé beaucoup de cas de sorcellerie ici, on les demande de nous inviter, ils sont là. Oh, je dois prendre l'exemple sur Zareko. Moi, il parle parce qu'il y a un exemple. Regardez Zareko, c'est fini. Allez demander à Zareko, c'est fini. J'ai une manière de régler pour les sorciers du village. Ils ont mis un système en place. Moi, je viens, je déprogramme le système. Puis j'impose le règne de Dieu. Celui qui mange, il dort. Amen. C'est comme ça. Ils ont peur. Et puis, dans la nuit, un coup, même Dieu m'a donné là. Il est parti à l'école, et puis il y a mon enfant qui m'a donné. Un coup comme ça, ici, là, il y a deux choses que j'ai dit. Quand papa, moi, il va faire à l'école. Dieu l'a nuit, mon épouse. Comment Dieu? Là, tu ne manges pas avec elle. Elle a nuit, mon épouse. Elle m'a dit de lui donner mon enfant. Elle a bien nuit. Tu vas manger pour elle? Si, il est alors, toi, tu vas manger pour toi. Mais c'est comme ça, hein? Quand tu as mangé pour elle, tu n'allais pas dire à quelqu'un, non, ma soeur, ma tante m'a donné son céleri. Tu as dit, alors, tu as mangé, elle a mangé pour toi. Or, quand vous donnez la sorcellerie, pourquoi nous, on vous devez dire aux gens, j'ai fait un rêve,
On m'a donné une sorcellerie. Oui. Mais vous ne dites pas, vous fermez les bouches, vous tuez, et après, vous dites non, vous l'accusez. Tu l'accuses comment? C'est elle qui t'a dit de donner une sorcellerie à tes petits frères. Hein? Alors. Tu sais que ce n'est pas bon, puis tu donnes à tes petits frères. Quelque chose, tu sais que ça tue, ça gâte. Tu prends ça, tu donnes à tes petits frères. Mmh, tu as fait quoi encore? On a gâté, on a pris le coup, il y a arrivé le papier de ma foi. Et puis, il y a pris les dirigeants pour aller là-bas. Ah, c'est que tu as enseigné là-bas. Là. C'est ce que tu entends les frères. Tu as pris l'intelligence de tes petits frères. Mmh. Tu es allé pour quoi? Et puis, je suis parti là-bas, dans un canari. Dans un canari. Tu as pris l'intelligence de combien de personnes? Tu as pris l'intelligence de combien de personnes? Personne. Avec comment l'intelligence, tu amènes à Canary. Tu as fait quoi encore? Et puis, il me touche à un avocat. Hein? Mmh. Quoi expliquer? Dans ce dernier, il me touche à un avocat. Il fait trois enfants. Combien d'enfants? Trois enfants. Donc, ici, là, tu as un enfant là-bas? Oui. Combien d'enfants? Trois. Il y a des garçons dedans, oui, il y a deux garçons, une fille. Hmm? Combien d'enfants? Trois enfants. Mmh. Trois enfants, deux garçons, une fille. Deux garçons? Une fille. Ils n'ont pas de nom? Ils ont des noms. Il y a un. Il s'appelle Prince. Il y a un, il s'appelle Fabrice. Mmh. Et puis la petite fille, elle s'appelle Fabrice. Mmh. Donc, mais là-bas, c'est une vie, hein. C'est une vie. On appelle les enfants esprits. Ici, mais t'as quel âge? Il y a 19 ans. Elle a 19 ans. Elle a 19 ans. Mais je t'ai montré une fille de 15 ans. Où elle est la petite? Où elle est? Elle dort. Je vais vous montrer une fille de 15 ans. Où elle est? Où est Junior? Junior. Lui, il dit qu'on n'est pas son âge. Non, il a 16 ans, il ment. Non, on connaît son âge. Tu as 19 ans. Quand on a donné peut-être 12 ans là, mm-hmm. 11 ans. Vous pouvez les donner combien? Vous pouvez les donner combien? Hein? Non, attendez. T'as quel âge? Lève ta tête, c'est ton âge ou bien? Hein? Elle a 16 ans. Zadi. Tu as 16 ans, l'année dernière, tu avais 15 ans. Il a 16 ans. Mais si tu as commencé sur ce livre très tôt, tu ne dors pas. Comment tu vas grandir? On appelle ça hormone de croissance, non? Ça va se détruire. Les hormones de croissance, ça va se détruire. Allez-y. Non, 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 elle a 9 ans. Là, c'est 16 ans, elle. Tu as mis de la maladie, ta maman. Voilà, parce que c'est le côté destruction. Les sorciers aiment tuer et puis détruire. C'est ça qui est dangereux. Tu as fait comment vous mettre de la maladie? Et puis son nom soit franchi, il a fait maladie à qui c'est lancé d'accord. Et puis dans son bas, il y a une vie déjà. Et pour qui elle a fait encore. Et puis il a fait le rêve de mon papa. C'est si son nom. Le rêve de mon papa. Le rein. C'est un tab à manger. Ça y est ici. C'est ça, non? On dit rein, c'est ici là. Vous mettez. Comme ça, tu manges ici.
n'y a pas de cave là-bas. Et puis on a mis le caillou dans ses pieds. Caillou dans ses pieds. Mmh. Et puis on a mis un piège dans notre cou là, que tout le monde tombe malade. On a mis un piège, on a posé un trou dans notre cou pour mettre piège là-dedans. Mmh. Et tout le monde tombe malade. Non, mais piège là, les gens tombent dedans. On a mis ça pour. Avant les gens vont mal. Papa, mais comme c'est bête. Tu mets un trou, il y a maladie dedans, les gens sont malades et vous êtes contents. Hein? Le village c'est où? C'est loin d'ici. Combien de kilomètres? Non, pas le transport. Combien de kilomètres? Kabia, c'est à gauche là, non, après le corridor, non? Ouais. Après Kazo, corridor. L'ancien corridor à la gauche, où il y a les bandits à rentrer là. Ouais. La route va être bizarre. Il y a les pontes là, les côtes. On a demandé aux gens de nous inviter jusqu'à aujourd'hui. Tu peux regarder lui directement. Tu as gardé quoi? Mon frère là, il y a un sujet passé jour ici. Il n'a pas vu, on a gardé, on a mis ses papiers. Vu l'autre, il devait passer bac. Bac, il allait avoir. Mais on a gardé. On a pris ses feuilles là pour donner à quelqu'un d'autre. Et puis même, le truc qu'il voulait porter pour aller, le croisement là, on a pris tout pour aller avec ça. Son tricot, il voulait partir s'habiller pour. Le t-shirt. J'ai lavé, j'ai mis Comment tu t'as lavé? Et je me suis transformé à l'époque aussi par cette fois. Je me suis transformé. Tu trouves quoi en faisant ça? Tu es transformé à l'époque. Et tu as fait quoi encore? Et puis, j'ai gâté le bras de la femme de mon papa. Ça veut dire quoi? Et il parlait sur elle et taper son bras là. C'est ça? Mmh. Elle a un petit bras qui se dit. Tu as tapé, c'est ça? Et puis elle a tout touché avec elle, avec sa petite fille. En sorcellerie? Mmh. Avec qui? Je te demande. Moi, les questions, je pose les questions pour savoir. Avec qui? Comment ça fait vous sortir? Et tant que tu me fais ça trois fois. Fais voir, pour vous. Et tant que tu me fais ça trois fois. Ça sort. Et puis j'ai chié dans le champ des cavales de mon papa. J'ai chié dans le champ des cavales de mon papa. Champ des cavales de mon papa. Ok. Le père, il est où? Il faut que tu viennes. On a besoin de lui. Voilà, on a besoin de faire sa délivrance. Parce que c'est vrai qu'elle a fait des aveux, mais lui, il est victime. Il faut qu'on le délivre, c'est important. Il faut qu'il soit délivré. Nous, les aveux, là, c'est pas ça qui est plus important. Ça nous oriente, si vous voulez, par rapport à la délivrance. Or, si aujourd'hui, il est attaqué comme ça, on prend son dos pour faire des choses. Elle dit qu'elle a mis les cailloux dans son pied. Il faut qu'il soit délivré. On a besoin de sa délivrance. Tu as fait quoi encore? Et puis il y a un piège dans mon bras droit là. Il y a un piège dans mon bras droit. Piège. Flèche. Flèche.
Je veux. Oui, bras droit. Autant savoir. Tu veux quoi? Et puis, si ça t'arrive là, je prends pour te soulever. Comment tu fais? Je te lance avec, et puis ton nom trois fois, puis il lance. Quand il lance ça, si ça t'arrive là, je prends pour te soulever avec. Et puis tu tombes. J'écoute, hein. Je suis sur ma scène. Comment tu arrives à chier les gens sans coucher du chier déjà? Il ne faut pas gagner mari. Que si elle va marier là, il ne faut pas le marier avant la regarder. Tu as fait concours. Et puis, il y a une maladie dans ma gueule. Un grand frère. Mmh. Comment vous appelez? Ça fait délire. Elle a fait assez de dégâts, hein? Combien de fois je ne sais pas dans ma vie? Et puis, elle a des premiers à 7 ans. Car elle pouvait devenir proche. Il n'a pas se croiser à la voiture. Puis, accident n'a pas arrivé. Et puis, il y a un qui doit devenir. Oui, tout ça est parti. Ils savent, hein, c'est que vous êtes venus. Ils savent tout ça. C'est ce qu'on appelle l'étoile. Ils savent. Et c'est cet aspect, c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça qu'il faut que les familles soient délivrées de cette présence. Quand il y a des sorciers, ils savent. Donc ils détruisent l'évolution de la famille. Telle personne a donné quelque chose, détruit ça, parce que j'ai enseigné ça ce matin. Hier matin, j'ai dit ce qui en eux l'a détruit. Est-ce qu'il a enseigné ça hier? Donc quand vous avez un sorcier, dans une famille, vous allez comprendre que si elle a la sorcellerie, vous allez voir qu'il n'y a pas d'évolution de la famille, ou il y a des événements bizarres qui arrivent à la famille, il n'y a pas d'évolution, les gens pensent sans emploi, ou des emplois ne peuvent pas se suffire, l'argent n'arrive pas à suffire, vous constatez qu'il y a pas mal de difficultés, ça veut dire qu'il y a bien une présence de la sorcellerie. Il y a des choses que vous ne pouvez pas négliger. Ben, le hasard n'existe pas. Ça n'existe pas en matière de spiritualité, ça n'existe pas. Or, les gens n'aiment pas pousser la richesse très loin. Les gens, les blancs viennent dire, oh, les Africains sont superstitieux, ils veulent croire, non, leur problème, c'est spirituel. Mais oui, c'est spirituel. C'est le spirituel qui fait le physique, c'est le spirituel. Et regardez un peu les aveux. Quand vous écoutez très bien les aveux de cette jeune fille, vous allez comprendre que les événements qui arrivent dans sa famille, on va trouver ça un peu normal. Or, c'est anormal, c'est spirituel. Elle va enterrer quelque chose dans la cour, tout le monde tombe malade. Comprenez? Son père qui est malade, il pense que c'est une maladie normale, mais c'est spirituel. Or, le spirituel, si c'est une maladie spirituelle, mystique, il faut une intervention spirituelle pour le délivrer. Il va aller voir à l'hôpital, il ne va jamais guérir. Il va mettre des pensées, il ne va jamais guérir. Or, Dieu nous a créés, nous a donné une destinée. Je vous assure, chaque homme a une destinée. Dieu ne nous a pas créés pour nous laisser comme ça. C'est parce que l'être humain a tourné dos à Dieu qui ne voit pas la manifestation de Dieu dans sa vie. Sinon, Dieu nous a bénis. Dieu n'a pas créé de vauriens. Non, ça n'existe pas. Or, vous comprenez déjà qu'elle dit, mon frère voulait devenir professeur, j'ai détruit. C'est ça qui fait que nous combattons la sorcellerie. C'est ce qui fait que l'Afrique est en retard. Or, quand vous allez, il y a une prison de la sorcellerie quelque part dans une famille. La famille est caractérisée par le retard. Vous constatez qu'il y a un retard pas possible dans la famille. Vous allez bon investir, vous allez donner tous les moyens possibles, mais jamais ça va aboutir à quelque chose. Parce que j'ai un système qui est réglé, j'ai un système qu'on a mis autour de cette famille pour dire à la famille, tu ne dois pas avancer. C'est pour ça qu'il faut que notre système vienne déprogrammer le système mis en place. C'est ça qui est important. Or, les gens laissent, ou pour mourir dans cette prison. De toute façon, les gens meurent dans une prison physique, vous pouvez mourir dans une prison comme ça, spirituelle. Or, quand vous sentez des choses, vous devez vous lever très tôt pour combattre la chose. C'est ça qui est plus important. Or, si vous négligez ça, vous-même vous tombez. Est-ce qu'on va bien saisir? Regardez tout ce qu'il est en train de dire. Nous, les aveux publics, c'est pour vous éclairer, justement.
Elle et moi, on ne s'est pas entendu. J'ai même demandé la question. Ah, Dieu, vous venez à peine d'arriver. Ça dit qu'elle et moi, on ne s'est pas entendu. Souvent, les gens pensent que c'est des mises en scène. Non, ce n'est pas des mises en scène. C'est ce qu'elle a fait qu'elle dit. Exactement. Or, Satan, vous avez tiré une leçon de tout ça. Ça doit vous éclairer. Vous dites, en réalité, ce qui est en train de t'arriver n'est pas normal. Il y a quelque chose derrière. Souvent, tu as envie de te marier. C'est ça que le monsieur, il est bien. Puis, du coup, le mariage se gâte. Et ça se répète 2-3 fois. Ça veut dire que c'est sérieux. Moi, s'il n'avait pas été attaqué par les sorciers, il n'y avait jamais cru la sorcellerie. Non. Non. Mon papa parlait de sorcellerie, ils l'ont tué. J'ai vu mon frère mourir. J'ai vu ma soeur aînée morte. Et puis moi, ils m'ont attaqué. C'est quand j'ai vécu cette expérience que j'ai fini par croire à la sorcellerie. Or, je voyais la chose venir. Et j'ai dit aux gens, je suis convaincu qu'ils vont m'attaquer. Ils m'ont attaqué. Il y a une maladie mystique, les médecins vont tout faire zéro. C'est l'intervention de Jésus-Christ qui a fait qu'aujourd'hui je suis guéri. C'est pour ça que je crois à la puissance de Dieu. Oui, je crois à la puissance de Dieu. Moi, je crois trop à la puissance de Dieu. La sorcellerie, c'est une réalité. C'est une réalité. Je suis prêt à faire des débats pour amener les gens à comprendre. Or, un blanc ne peut pas faire un débat à moi. Je lui ai ramené son histoire. Il a dit, ok, je pars dans ton histoire. Qui a pratiqué la chasse aux sorcières? C'est pourquoi? Quand vous allez chasser les sorcières, c'est pas pourquoi? C'est pas, c'est pas bon. Qu'est-ce que la sorcellerie? C'est vous qui avez la sorcellerie? La définition en français, avec lanceur de sort. C'est tout la définition de sorcellerie. Or, quand vous avez pratiqué la chasse aux sorcières du 17e siècle, vous avez combien c'est glorieux? Après avoir détruit la présence de la sorcellerie à l'Occident, ils ont connu un grand siècle, le 18e siècle. Un siècle glorieux. Or, quand la sorcellerie n'est pas détruite quelque part, il y a le retard. Que ce soit dans une région, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une nation. C'est ça que moi, j'étais sur les chaînes de télévision togolaise, je leur ai parlé. J'ai dit, regardez le Bénin à côté. On dit qu'il donne chance, vous courez vers le Bénin parce qu'il y a des féticheurs. Le Bénin, c'est le lion avance. Le Bénin n'avance pas. À cause de la sorcellerie, à cause de la présence du vaudou, au Bénin, ça avance comment? Là où il y a la sorcellerie, vous n'allez jamais avoir d'évolution. Or, quand il y a la sorcellerie dans une famille, c'est clair. C'est le retard. C'est fini. Les maladies bizarres vous arrivent. Des choses bizarres qu'on ne peut même pas maîtriser. Qu'un être humain, comme le sida, un exemple, le sida. Humainement parlant, ça ne se guérit pas. Il faut une intervention divine. Il faut un miracle. Or, c'est ces maladies-là que les gens donnent aux gens. Moi, j'ai déjà vu les sidiens guéris sous mes yeux. J'ai déjà vu dans les villages. Et Dieu a guéri les sidiens. Elle est une maladie. Donc, elle est là. Et puis, c'est elle qui est la base. Or, c'est des mazos. Ils aiment voir les gens souffrir. Les sorciers, ils aiment voir les gens souffrir. Plus vous souffrez, ils sont contents. Oui. Ça va? Toi, tu es enfant. Tu es enfant. Or, spirituellement, quand elle est enfant, ça veut dire que si le plan physique ici, elle ne va plus jamais avoir. Oui, c'est si. Mais c'est une autre vie. C'est une vie. C'est une vie. Donc, elle vit notre vie. Le monde physique ne lui dit rien. Ça dit ici, là. C'est rien pour elle. C'est là-bas qui l'intéresse. C'est là-bas. Elle a une force. Or, s'il n'y a pas l'intervention de Dieu qui vient la délivrer cette fille, elle va détruire tout sur son passage. Si elle se mariait demain, elle va détruire le monsieur. C'est pour ça que les gens ont besoin d'être délivrés de la sorcellerie. Vous avez un parent qui est sorcier, amenez-le à la délivrance. Aidez-le à être délivré. Sinon, vous courez un danger. C'est ce que nous disons aux gens. Vous courez un danger quand vous laissez un parent sorcier. C'est un danger. On peut être délivré de la sorcellerie. Au départ, les gens ne croyaient pas. Ah, un sorcier ne peut pas changer. Mais si, un sorcier change. On a déjà, nous, on a des éléments ici, des êtres sorciers, qui sont aujourd'hui utiles au royaume de Dieu, qui travaillent pour Jésus. On peut délivrer un sorcier, c'est possible. De délivrer un sorcier. C'est possible de vivre avec un être sorcier. Moi, j'ai bien l'exemple. Chez moi, la maison, c'est des êtres sorciers. La jeune fille, c'est quand on l'a libérée? C'est vendredi, maintenant. C'est vendredi. Dominique, c'est vendredi, ils l'ont libérée. Elle était en prison. Ils l'ont libérée pour sa délivrance. C'est vendredi, ils ont signé sa lettre. Sa lettre, elle a été définitivement libérée. Elle a fait prison pour des sorcellerie. Le juge l'a amenée vers nous. Nous l'avons délivrée. Hein?
Hein? Oh. Tu as la prison. Là, tu as fait prison. Elle avait combien de temps là-bas? Deux semaines. Comment elle s'est retrouvée en prison? Ah, mais c'est qu'elle dit là, mais c'est dit, c'est nous, on l'a fait. Tu vois ce qu'elle dit aux gens là? C'est Minor en prison. C'est nous, on pardonne. Or, la loi dit, quand tu fais des aveux, on doit te condamner. On doit te condamner. J'avais prison. Vu l'ont libéré comment? À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. C'est à quelle année elle a fait? Comment tu t'es retrouvé en prison? Je suis parti pour une fille à chaque fois que je suis allé à la maison. Et puis je me suis transformé et je me suis passé à l'autre fois pour rangerer la fille. Attends, vous comptez l'histoire. Non, tu as fait quoi? Depuis la fille, elle a envoyé. Et puis je suis entré dans mon petit foyer pour la jouer la fille. Et la fille, qu'est-ce que c'est devenu? Elle a 10 ans. Ah, 12 ans. Et lui, je dis que la violée à quel âge? Il a 13 ans. Elle a 13 ans. 19 ans. Donc, toi, tu es rentré. Elle s'est incarnée à son fils, à son frère. C'est-à-dire, elle est là, comme la sorcière. Madame, vous avez ce pouvoir aussi, non? Venez ici. Vous jouez les pouvoirs mystiques, hein? Parce que pour voir aussi, non? Tu es là, puis tu rentres dans les gens. Je vous pose une question. Hein? Tu as ce pouvoir aussi. Je vous demande. Tu as ce pouvoir là. Ah, c'est un massin, tu es fâché, bien fâché. Non, pas fâché. Ah, c'est moi qui suis en train de te délivrer. Tu fais ça. Toi, tu fais comment pour rentrer dans les gens? Tu fais quoi? Tu fais comment? Et puis tu touches les gens, tu rentres dans eux. Et toi, tu es ici, puis tu parles, tu vis une autre vie dans le corps d'une personne. C'est ça? Attention. Elle m'a fatigué un jour, lundi, passé, mardi, mercredi, pour gagner le combat. Je l'ai attrapé. Maintenant, c'est fini. Donc, toi, tu es là. On peut dire, mais lui, oh, c'est un sorcier qui est rentré. Tu sais, les blancs te disent, non, c'est, vous êtes malade de croire à ce genre de trucs. Non, vous êtes malade. Oh, c'est une réalité. Mais eux-mêmes, souvent, ils font certains genres de films. Et les blancs font ce genre souvent de films. Il y a des films comme ça, où les personnes viennent des êtres, viennent vivre dans le corps des gens, ils font des trucs. Après, moi, ça les lâche. Ils commencent. Ils se disent, mais non, je ne sais pas moi. Le juge même ici, une fois, m'a parlé, dans son bureau. J'ai un cas comme ça en prison, où un monsieur était en bicyclette, puis il avait une dame qui partait à l'église, à Ris. Et il prend la dame, il la met dans les champs des veillards, il la viole, et puis il la tue. Et puis il la tue, il rentre à la maison. Et puis ils ont reconnu le vélo. Ils sont venus mettre la main sur lui. Du coup, aujourd'hui, ils ne s'en souviennent même plus. Ils ne savent pas de quoi se passe. Or, la dame, la victime en question morte, là, c'est sa tante qui a avoué. Et c'est elle qui est rentrée dans le jeune homme de monsieur en question et qui a tué sa soeur. Donc le sujet est là. Donc les gens ne savent pas comment régler le problème. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour permettre à nos juridictions de nous remettre les problèmes spirituels. Ben, y a des choses qu'il ne peut pas régler. Oui. Or, si Dieu nous a donné des dons, c'est pour travailler en collaboration. Il y a des choses qu'ils vont faire. Or, la prison, c'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est un meurtre, c'est vrai que c'est viol. La loi doit condamner ça, c'est clair. Mais et l'esprit, ce démon qui est en eux là, ça continue. Il est en prison, il sort, il va manger son garba et vient du bas. Donc comment c'est passé? Elle a avoué après. Qui a avoué ça?
Et la jeune fille, elle est tombée malade. Vous l'avez soignée. C'est terrible, hein? Donc elle a avoué ça devant le juge. Elle a avoué. Vous comprenez comment c'est un danger? Tu peux être là pour toi, pour peut t'imposer une vie, une sale vie. Non, une sale vie. Comme la petite l'a dit, non, c'est elle qui a donné l'esprit de prostitution à sa sœur. Elle est là, c'est balade. Or, c'est un esprit que la sœur vient, elle a imposé. Et c'est ça ce combat que nous menons. C'est-à-dire, ces esprits-là sont terribles. Tu es là, puis un coup, ta vie change. Tu dis, mais autre chose, on ne comprend plus. On dit, mais le monsieur l'a changé, hein? On ne comprend plus rien. Or, ils sont venus changer ta vie. C'est pour ça que chacun d'entre nous a besoin de la présence de Dieu pour sécuriser sa vie. Si on n'a pas Dieu, on est exposé. Hein, tu as des grands dangers. Ils viennent, ils rentrent dans ta vie, ils font ta vie ce qu'ils veulent. C'est un grand danger. Mm-hmm. Pour la chambre de maman, Ah, toi, comment vous te nourrir? Maintenant, toi, tu apportes quoi à la famille? C'est clair. J'ai attendu tout à l'heure le problème. C'est ça? Allez, la chier. On a entendu ça, tu suis là, il y a la chier, dis-donc. Si, il va y la chier, ça va pas. C'est-à-dire, toi-même, tu n'apportes rien que des problèmes à la famille. Mais directement, son père est assis. Directement, ils sont assis. C'est quoi? Si, ils veulent de l'enfant. Il a peine de soigner ça. Ils l'ont libéré parce qu'elle est mineure, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit pour faire grâce à Dieu? Ils disent qu'elle est mineure. Elle a une grâce présentielle. Son père est parenté à le juge. Le juge? Non, le juge, mais comment dire? La fille. Ils ont retiré la plainte. Ils ont retiré la plainte. Tu es quoi? Là-bas, je suis. Tu es reine ou tu es gérée? Gérée. Tu es reine ou tu es gérée? Tu es reine. Tu peux parler français? C'est tout ce que tu as fait? Ok. C'est tout? C'est tout? Va t'asseoir, on s'occupe de toi. Vous me regardez.